pense que c'est ça qu'on a aimé. On a assisté à deux de vos formations. Puis moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'était c'est pas vous n'êtes pas arrivé avec un livre de règles à respecter puis à dire si vous appliquez tout ça, vous allez réussir. C'est plutôt de dire il y a des principes généraux. Ouais. Puis là, selon votre contexte, que vous soyez une garderie à la maison, que vous soyez en banlieue, à la campagne, etc., c'est de trouver qu'est-ce qui correspond le mieux pour favoriser le jeu avec l'enfant puis le contact avec la nature, mais il n'y a jamais de bonne réponse. C'est toujours un acte de réflexion puis de trouver ce qui est adapté à nous. Puis on dirait que ça, c'est tellement apaisant parce qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse. C'est ça. Mais on va parler des principes parce que les gens qui ne les connaissent pas, ils doivent se demander de quel principe on parle. Parce qu'il y a deux branches. Il y a la philosophie du jeu mené par l'enfant puis il y a les écoles forestières. Fait qu'on va commencer avec les écoles forestières. Est-ce que vous, quand vous avez commencé le lion, la souris, vous saviez que c'était ça que vous faisiez en allant jouer dehors? Ou vous l'avez découvert après? On l'a découvert après, un peu en même temps, parce qu'il y a un organisme qui met des liens entre les éducateurs et éducatrices en école en forêt partout au Canada, qui s'appelle l'Alliance canadienne enfants nature. Puis eux ont commencé à peu près le même moment que nous. Okay. Donc c'était comme, il y avait tellement du monde qui expérimentait ça, qui cherchait à aller plus loin, mais quand nous on a commencé, il n'y avait pas un réseau en place qui disait écoute, on fait tout la même chose, comme on peut partager nos ressources, on peut partager nos expériences, donc ça n'existait pas. Maintenant, on est tellement content que ça existe puis qu'on en fait partie. Donc au début, on ne savait pas trop, mais il y avait quand même certains principes qu'on avait déjà en place, que nous, en santé, était déjà important pour nous. Donc, comme nos valeurs, en fait, qui soulignent toutes nos activités, c'est le respect des enfants et l'autonomisation des enfants. Donc, de vraiment penser que les enfants sont capables. Donc, ça, ce sont les valeurs qu'on s'est données depuis le début. Ce sont les valeurs qu'on voit vraiment parmi tous les principes des écoles en forêt. Il y en a quand même beaucoup, si on parle comme techniquement des principes d'école en forêt, il y en a 10. Mais là, c'est en fait c'est de dire on respecte l'enfant, puis on privilégie un contact avec la nature. Puis, une des autres choses qui est tellement importante dans l'approche canadienne des écoles en forêt, c'est qu'on va aller à la rencontre des gens tels qu'ils sont. Donc, qu'on va pas mettre une pression sur eux d'être plus courageux, d'être plus aventureux, d'aller dehors, qu'on fait. Tu sais, c'est pas un sport extrême, l'école en forêt. Vraiment pas. Donc, c'est ça qu'on t'envoie des fois des articles qui parlent de « Ah, regarde comment ça se fait ailleurs. » Oui, travailler avec des marteaux, nous en fait. Oui, faire des feux, des choses comme ça, ça fait tellement comme excitant de voir que ça se fait comme ça ailleurs. Mais c'est pas nécessairement ça qu'il faut pour que ça soit une expérience de jeu de qualité, une expérience d'école en forêt de qualité. C'est de donner la possibilité à l'enfant de vivre différents scénarios, mais pas d'imposer quoi que ce soit en se disant il y a un but final, puis qu'il apprenne à jouer avec du feu, ça va le rendre, comme tu disais, plus courageux, plus ci, plus ça, plus ça. Il n'y a pas comme une fin en tête. Non. De où amener l'enfant, puis comme s'il était incomplet, puis il fallait l'amener dans cette direction-là. C'est plutôt où est l'enfant, puis de lui offrir un contexte où il peut découvrir ce que lui aime. Oui. Puis nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les pièces libres. Ce sont des objets ouvert, polyvalent, qui peut être utilisé de mille façons dans le jeu. Donc là, comme la pièce libre typique que tout le monde connaît de leur enfance, c'est la boîte en carton. Comme l'histoire de l'enfant qui reçoit un cadeau, mais qui joue avec la boîte en carton. Parce que la boîte en carton, ça a plein de possibilités. Ça peut être tout, disons. Puis le même principe, ça s'applique aux autres objets ouverts et polyvalents qu'on trouve autour de nous, puis nous, on sait que la nature, c'est la meilleure source des pièces libres qu'on peut trouver. Puis, en plus, les pièces libres qu'on trouve dans la nature, ils changent avec les saisons. Ils nous remettent en contact avec le monde qui nous entoure, en plus. Donc, ça mène aussi à une conscience de comment nous, on vit, puis du contexte qui nous entoure et comment nos actions, notre façon de jouer, ça a des impacts sur l'environnement, sur les amis, tout ça. Donc,
c'est vraiment comme mettre tout ensemble. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!